Ça y est, on s'approche de la fin du mois d'août, c'est bientôt la fin des vacances. Et ce mois-ci, j'ai découvert plein de nouvelles séries. Il n'y a que du lourd. On commence directement avec mon gros coup de cœur, c'est Sunken Rock avec son édition Deluxe. J'ai trouvé les 3 tomes d'occasion. J'ai eu le lot, les 3 tomes pour 38,25€. C'est un trésor que j'ai trouvé. 12€ les tomes pour la qualité du papier. On a des jaquettes déjà cartonnées. En l'édition, il n'y a rien à dire. Je pense que de toutes les Perfect Editions qui sont sorties, celle de Sunken Rock, c'est ma préférée. Rien que ça. Quel plaisir, vraiment. Le dessinateur et l'auteur de ce manga, c'est Boichi. Donc, on a le droit à des dessins de qualité et un scénario de qualité, vraiment. L'histoire, elle est hyper prenante. C'est pour public averti, donc faites attention. Voilà, si vous avez moins de 15 ans, attendez un petit peu. Et je sais pas comment c'est possible, mais dans une de mes anciennes vidéos, j'avais pris le tome épisode Ace de One Piece et j'avais trouvé les dessins pas ouf. À côté, l'épisode Ace, pas vraiment fan des dessins. Pas vraiment fan des dessins. Je sais pas ce que j'avais dans les yeux à ce moment-là, en fait. C'est pas possible d'avoir dit ça, vraiment. Je retourne ma veste complètement. Sunken Rock, c'est un gros banger, donc foncez vous procurer cette Perfect Edition. Elle est magnifique. Je vous la recommande à 100%. En plus, c'était une très très bonne affaire pour 3 tomes, 38€. Pour l'édition que c'est trop bien. Ensuite, quand je vous dis qu'il y a que du lourd, là, il y en a qui vont être contents. J'ai pris l'abonnement de chez Meian pour les Kingdoms. Donc, du coup, tous les deux mois, on reçoit 4 tomes de Kingdom. Et du coup, j'ai reçu le box 1. Comme j'avais les deux premiers tomes, j'ai commencé l'abonnement à partir du tome 3. Et comme c'est à partir du tome 3 qu'on a une box, donc du coup je l'ai reçu, elle est magnifique, j'ai hâte d'avoir les 6 box, il y en a 6 en tout. Et dedans on a plein d'illustrations, on a des ex-libris, vraiment des ex-libris super super beaux. Et bien sûr les 4 tomes, donc du tome 3 jusqu'au tome 6, je les ai pas encore lus, je me laisse le temps. Comme on reçoit des tomes tous les 2 mois, je me laisse encore un peu le temps. Je me fixe pour objectif de vraiment finir les 4 tomes avant d'en recevoir d'autres. Comme ça j'avance bien dans la série, vraiment je prends plaisir à lire ce petit chef d'œuvre. Donc très content d'avoir commencé l'abonnement, c'est le petit plaisir, voilà, tous les 2 mois tu reçois tes petits tomes de Kingdom. J'ai hâte de continuer la série parce que c'est trop trop bien Kingdom. Si ça vous intéresse, dans la description, je vous ai mis le lien pour voir tous les abonnements de Meian. Ensuite, j'ai commencé une série vraiment très à la mode. Et en plus, l'auteur de ce manga était à la Japan Expo cette année pour signer des dédicaces. Et moi, je suis deg, j'ai pas pu y aller. Et ce manga, ce n'est autre que Gannibal. Voilà, donc j'ai pris les 4 premiers tomes avec le tome 13 édition collector que j'ai pris en avance. Comme ça, je suis sûr de l'avoir et de pas galérer à le trouver après. J'ai lu que les 2 premiers tomes pour le moment. Que dire, que dire. Vraiment Gannibal. Tu sais où l'auteur veut aller. Franchement, c'est génial parce que tu vois pas ce genre de manga tous les jours. Finir en 13 tomes, c'est prenant. Voilà, c'est vraiment prenant. Donc, encore une fois, pour public averti. Et ça parle de quoi? Alors, c'est un policier qui va déménager avec sa femme et sa fille dans un village où il va se passer des choses pas très sympathiques. Donc voilà, Gannibal, quel régal. Ensuite, un grand merci à ma copine qui m'a offert un coffret pour les 10 ans d'un manga français. Et ce n'est autre que Radiant avec le coffret des 10 ans. Le coffret est super, super beau. Alors, dedans, on y retrouve les 10 premiers tomes de Radiant. Comme c'est les 10 ans, voilà, 10 tomes. On a aussi une figurine acrylique avec 4 personnages. Alors j'ai lu que le premier tome, je connais pas encore tous les noms. C'est super à avoir dans sa collection, donc moi j'ai opté pour l'ouvrir ce coffret, parce que du coup je m'étais jamais lu les Radiant, donc bien sûr que je l'ouvre en fait. Et voilà, donc du coup cette figurine est exposée avec les 10 tomes. Ensuite dedans on a des magnifiques ex-libris. Je suis choqué de la qualité, ils sont vraiment magnifiques. En plus ils sont quand même balèzes, du A4, et c'est vraiment énorme pour un ex-libris. Trop 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 content de ce coffret. C'est un régal, voilà, c'est un régal, c'est un manga français, donc soutenons nos auteurs français qui font du boulot monstrueux. Il y a 17 tomes actuellement qui sont sortis, donc voilà, vraiment super manga, c'est excellent. Un grand merci à Tony Valente de représenter la France avec Radiant, c'est une régalade. Ensuite, j'ai commencé le manga Demon Slave, une série full ecchi. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, on a une cité qui s'appelle Mato, qui a une dimension un peu démoniaque avec des monstres et tout ça. Et on a le monde aussi qu'on connaît tous, et en fait, on a notre protagoniste qui a perdu sa sœur justement dans cette dimension. Et lui, il sait plus trop quoi faire de sa vie, il en a un peu marre. Un soir, en rentrant chez lui, il va être téléporté dans cette dimension et il va se retrouver entouré d'une horde de monstres. Et c'est là que fait l'apparition d'une jeune femme qui a un pouvoir très particulier, c'est de transformer n'importe quoi en monstre. Et ça va être le cas de notre protagoniste qui va être transformé pour pouvoir sortir de ce pétrin. Et la seule condition pour être transformé, c'est qu'il devienne l'esclave justement de cette jeune femme. Mais du coup, comme monsieur devient l'esclave de la jeune femme, il va être complètement dépendant d'elle. Et il va devoir combattre les monstres qui se trouvent dans l'autre dimension. Pour ça, il va se transformer. À chaque fois, il va recevoir une petite récompense après s'être transformé. D'où vient le ecchi? Voilà pour le pitch de l'histoire. Mais voilà, c'est une série plutôt chill à lire. C'est pas
pas prise de tête. Je pense que je vais la continuer tranquillement, donc voilà pour Demon Slayer. Et ensuite, on finit avec le tome 8 de Oshinoko. Je l'ai pas encore lu, j'en suis au tome 7. Alors, Oshinoko, moi, j'ai vraiment bien aimé. Alors, c'est vrai que dans le tome 1, on va avoir notre personnage principal qui va un peu annoncer son objectif. Et la suite des tomes, c'est pas le sujet principal, on va dire. On va plus être dans les coulisses d'une star, on va voir vraiment tout le côté d'être une star, des problèmes qu'il peut y avoir, voilà, tous les mensonges autour. C'est vrai que c'est pas le sujet principal qu'on va nous annoncer dans le tome 1, mais voilà, je sais pas si ça aurait pu être beaucoup mieux. Pour moi, c'est une très bonne lecture, je me régale avec Oshinoko. C'est pour ça que je continue la série et que je lis les tomes vraiment avec plaisir. Écoutez, franchement, Oshinoko, moi je suis vraiment pas déçu. Pour le moment, le tome 8, il rentre dans la collection. Bon, et ben ça y est, on en a fini, voilà, je vous ai présenté tous les mangas que j'ai achetés ce mois-ci. Il y en a beaucoup moins que le mois dernier, mais on a des coffrets, on a des grosses éditions. Trop content de mes achats, je découvre encore des séries qui ont vraiment le mérite d'être connues et il n'y en a aucune qui m'a déçu. Mais voilà, ce mois-ci, que des bons titres, que des séries que je vais continuer et que des séries que je suis fier d'avoir dans ma collection. Je pense notamment à l'édition de Sunken Rock, elle est magnifique. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, ça approche vraiment dangereusement des 500 abonnés. Merci infiniment de suivre mes vidéos. Merci à tous dans les commentaires pour votre soutien. Et bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel manga vous avez acheté ce mois-ci. Je vous réponds et je mets le petit cœur. Dans ma précédente vidéo, j'ai lu des mangas pendant 24 heures. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà, j'ai lu sans m'arrêter. C'était une galère. Et sur ce, ciao bye bye.